soulagement aussi parce que tu as toujours après toujours longues années de dures études là. Et en plus de ça, tu as toujours après le confinement, tu faisais attendre encore pour pouvoir prêter serment. Mais beaucoup de joie, beaucoup de fierté, beaucoup de soulagement. Une journée très riche en émotions. Et dans quelle filière tu es spécialisé? Enfin, pour le moment, j'ai un petit penchant pour litigation. Donc, je pense pour pratique et le droit civil et le droit pénal. Je suis bien content parce qu'il fait longtemps que j'ai cette cérémonie là. Donc, moi, prête serment en Angleterre en 2019. Et c'est que maintenant, je vais rester prête serment ici, à Maurice. Donc, je suis vraiment content que j'ai cette opportunité là. Et voilà. Et bien, même si tu fais dans quelle filière, on peut penser pour les spécialistes. Pour l'instant, j'ai envie de faire un peu de tout. Mais si je gagne l'occasion, je suis bien content de faire le côté criminel. Avec support parents, Maman Jubi Monster, et je prends l'occasion pour me surtout remercier Maman Jubi Monster, aussi pour les parents, la famille, les amis. Et c'est un grand, grand récit de ma vie. Enfin, je me souhaite que tout ce que comme j'ai envie de faire le barreau, ben, bonne chance et bientôt me trouve les ETC. Pour me soulager, ça prend vraiment beaucoup de temps, mais bon, c'est passé. Et dans quelle filière tu penses quoi les spécialistes? Je vais commencer avec Madame Benton, Monsieur Junior, mais attendons voir dans quelques mois encore, dans un peu les temps qu'ils vont pouvoir connaître, donc ils vont se spécialiser vraiment. Je m'appelle Faraz Kedou, Mohamed Faraz Kedou, je fais prêt serment et c'était un grand jour pour moi. Et après beaucoup de sacrifices, beaucoup d'années de travail, et alors je tenais à remercier en premier Allah, Dieu, et mes grands-parents, tout ce qui finit de moi, passivement, activement, et surtout pour mon pupil master, Maître Mahmoudi, Imtiaz Mahmoudi, et Maître Bebakor Ampota, avoué, et je me remercie de tout. Et maintenant, je pense vers litigation, pour faire plus litigation, mais mon papa n'écarte aucune possibilité d'une autre filière. Penser il y a encore l'horizon bien grand et nous sommes capables de choisir et spécialisement dans une filière. Aujourd'hui, je suis bien content. Après le confinement, finalement, je suis prêt de serment. Parce que je suis faisais prêt de serment en janvier, ça l'année là, mais nous avons attendu 7 mois après ce confinement. Et moi, je remercie la famille, mes parents, mes beaux-parents, mes messieurs. Et puis, bon, c'est la famille qui nous demande support et tout, à cause que je quitte mes enfants à l'extérieur pour faire mon bas. Et je quitte mes enfants ici, c'est bien, bien dur, mais c'est grâce à moi que je reste complètement bas et aujourd'hui, je suis un avocat. Donc, dans toute filière, on peut penser quoi à les spécialités? Bon, là pour le moment, je pense qu'on décide de ça, mais je vais faire un petit training de corporate. Mais je vais vous guider comment a été. Donc, un moment de fierté, très ému, long parcours, sentiment soulagé parce que je suis victime de lockdown et tout. Ouais, là, c'était un sentiment soulagé. Bon, je suis patient et maintenant le travail commence. Oui monsieur, on vient ajouter quelque chose où on sonne prêt de serment comme avocat. Oui, pour moi c'est une grande fierté. Qui teste d'abord, c'est quelqu'un qui est qualifié comme avoué d'abord. Après ça, il continue sur les titres, il dit on veut venir avocat. Et voilà, aujourd'hui il finit prêt de serment comme avocat. Maintenant, il reste pour terminer son pupillage pour prêt de serment comme avoué. Là, il a décidé qui profession il peut pratiquer. Ben, c'est un grand jour pour moi. Et comme un avoué moi-même, il fait moi une grande fierté qui garçon finit une double qualification. Mais je suis fier de lui. Moi, je suis papa, Hansen Ganesh,
Et là, je parle côtoyer Hitès Ganesh. Je suis bien content qu'il vienne un avocat, spécialement aujourd'hui. Et c'est là que la bataille commence. Ça a été très long, mais c'est moi aujourd'hui, c'est un sentiment de devoir accompli, un soulagement aussi quelque part. Le privilège ayant été terminé assez longtemps. Mais maintenant, le travail le plus important commence aujourd'hui, je vais dire. Et voilà, j'espère que cela rapportera ses fruits dans l'avenir. Et dans quelle filière tu es pour un spécialiste là? Pour rejoindre un pied international qui s'occupe des deux côtés, du corporate et de l'initiation. Et voilà, le mois prochain, je vais rentrer. Et j'espère que cela va être un aventure important, mais aussi un enjoyable. Peut-être un jour dans l'arène politique aussi? Non, pas pour l'instant. D'accord.